Bonjour, je vais vous faire une petite astuce concernant les jeux d'occasion que vous achetez. On a toujours des autocollants sur les jeux d'occasion qui nous laissent des morceaux de résidus de colle collant. C'est un peu embêtant. Donc j'ai une petite astuce pour enlever complètement ces résidus de colle sans abîmer le boîtier et redonner un aspect neuf. Donc, pour commencer, je vais retirer les CD, jaquette, j'enlève tout. Donc, vous commencez par enlever le maximum que vous pouvez enlever sur la jaquette. Donc, vous voyez, il y a bien des morceaux de résidus ici, il y a des résidus de colle tout ici, il y a des résidus de colle. Là, évidemment, c'est pas joli et joli. Donc, pour commencer, ce que je fais, c'est une petite protection sur la table. Et tout ce que je vais faire, c'est prendre du produit WD-40, qui est encore gras, mais qui n'attaque rien du tout. Donc, ce que je vais effectuer, c'est mettre du WD-40 au niveau de l'étiquette, laisser un peu agir de là avec un bout de sopalin. Tout ce que je vais effectuer, c'est de frotter la surface à nettoyer. Donc, comme vous pouvez constater, c'est déjà en train de partir. Donc, vous nettoyez la surface. Hein. Donc, en l'occurrence, moi je fais tout le boîtier pour enlever tout les résidus qu'il pourrait avoir dans les magasins d'occasion. Tout le monde a touché et il y a des traces tout partout. Donc, en effectuant ceci, vous voyez bien que j'ai commencé à enlever tout les merdes. Bon, je vais faire la deuxième face du canard aussi, laisser agir un petit peu et on voit que ça commence à se dissoudre. Donc, on recommence, on nettoie toutes les zones où il y a de la colle. Vous inquiétez pas si ça passe en dessous, c'est pour ça que nous on a enlevé la jaquette, qu'on a enlevé tous les éléments. Et vous voyez que il n'y a plus de traces de colle, tout a été dissous. Ensuite, à l'aide d'un petit sopalin un petit peu plus propre, je vais passer sur la jaquette pour enlever un peu le plus gros du corps gras, parce que évidemment c'est un corps assez gras, le WD-40. Ensuite, je vais utiliser des lingettes bébé. Et avec les lingettes bébé, je vais tout simplement passer sur la jaquette pour enlever ce corps gras. Ce que je fais, c'est que j'ouvre un petit peu, vu que c'est passé un tout petit peu en dessous, j'en profite, je passe à l'intérieur éventuellement. Voilà. On nettoie le tout. Ensuite, on reprend un bout de sopalin propre et on repasse dessus. Je vais passer du coup aussi à l'intérieur, vu que voilà. Et maintenant, vous pouvez voir que la jaquette n'a plus aucun résidu de colle. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à repositionner le DVD, CD, Blu-ray. Votre petite notice. Et de remettre votre jaquette.
Et voilà. Comme vous pouvez voir, la jaquette est redevenue toute propre. Plus aucune résidu colle, plus rien qui colle. Et on a l'impression que le jeu a été acheté neuf et plus d'occasion. J'espère que cette astuce vous aura servi. Vous n'avez plus qu'à le faire sur vos jeux d'occasion. Allez, je vous souhaite une bonne journée.